Oh mes amis, laissez-moi vous dire. Demain samedi, nous aurons la Sainte Communion à notre siège, 9h, 14h et 18h. Et le dimanche, ça va être 7h, 9h, 11h, 14h, 16h, 18h, où Dieu va bénir d'une manière très puissante. Je crois à la gloire de Dieu. Et je crois que vous allez être beaucoup bénis en venant vous joindre à nous. La Bible dit au Proverbe 16-18 la chose suivante. L'orgueil précède le désastre. Ne soyez jamais hautain. Cessez que cet orgueil saute. Vous allez goûter au désastre. Et déjà vu l'orgueil, la ruine est déjà un pas. Demandez à Dieu, cherchez Dieu pour éviter cette ruine. L'esprit hautain, cette personne qui semble être la meilleure, précède la chute. L'orgueilleux et l'esprit hautain sont au moment de la chute. L'un le désastre et l'autre la chute. Cherchez et Dieu vous répondra. Vous êtes cette personne qui était bénie. Comment est-ce que vous marchiez avec ce genou dur? Ah, je marchais comme cela. Maintenant, il va bien. À présent, je suis bien. Eh bien, maintenant, allez marcher bien. Allez, marchez plus vite. Voyez ça, mes amis. L'homme peut déjà courir. Voyez la télévision, vous allez voir maintenant. Voyez ça, voyez donc, mes amis. Vous pouvez déjà courir au coucher de soleil demain. Alléluia. À présent, je prie avec vous. Père, je touche cette personne. J'exige la sortie du mal. Réprimandez tout mal. Va-t'en d'elle pour ne jamais plus revenir. Au nom de Jésus. Et vous dites Amen.